Bienvenue dans ce 7 minutes. Pour freiner la violence faite aux enfants, le gouvernement ivoirien et l'UNICEF saisissent le taureau par les cornes. Une campagne de sensibilisation a été lancée à la place Figayo de Yopougon. L'église des Saints des derniers jours donne une conférence sur la famille, une initiative encouragée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le village Ebimpe dans la commune d'Anyama va bientôt abriter un marché de gros sur un site de plus de 100 hectares. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de développer ces titres en France, le Rassemblement national a mobilisé 12 millions d'électeurs, prenant ainsi la tête du premier tour des élections législatives. Des législatives qui, pour rappel, ont été provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Orange Sucré est un film tiré de faits réels. C'est le support visuel qui accompagne la caravane mobile de prévention contre les violences faites aux enfants, lancée le 26 juin à la place Figayo de Yopougon. Il met en lumière les violences physiques, sexuelles et émotionnelles subies par deux personnages principaux, Mina, vendeuse d'orange, et Yo-Yo, star de la musique slam. Elle est un temps où nous pouvons tous ensemble démontrer notre engagement pour un monde meilleur, où chaque enfant grandira en toute sécurité, en toute liberté et sans discrimination. Initié par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui financier de l'UNICEF, la caravane mobile a pour objectif de modifier les attitudes et influencer les comportements des familles et des communautés face aux enfants. Le camion mobile sillonnera le district d'Abidjan, ainsi que celle du Tonkwi, de la Nawa et du Poro. Et si nous voulons avoir des cadres qui représentent l'Ivoirien nouveau demain, si nous voulons avoir des cadres consciencieux, si nous voulons avoir également des cadres qui représentent dignement cette nation, il faut protéger ces enfants qui deviennent les cadres de demain. C'est extrêmement important de réduire ce phénomène afin que tous les enfants puissent bénéficier, réaliser leurs droits, leur plein potentiel, tel que s'inscrit dans la Convention relative aux droits des enfants. Selon les résultats d'une enquête réalisée en Côte d'Ivoire en avril et septembre 2018, dénommée « Violence against the Child Survey », 3 filles sur 5, soit 58%, et 2 garçons sur 3, soit 66,5%, ont été victimes de violences pendant leur enfance. Les familles jouent un rôle crucial dans la création et le maintien des sociétés pacifiques et inclusives. C'est ce témoignage que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a valorisé lors d'une conférence organisée au Parc des Expositions d'Abidjan. Nous réunir avec d'autres personnalités invitées de tous horizons pour que nous puissions discuter et mettre ensemble des idées qui peuvent aider aux communautés de trouver des expressions, de trouver un langage, de trouver des attitudes qui peuvent aider à renforcer, à refortifier les relations familiales pour que les enfants qui naissent au sein de cette famille trouvent de la joie à avoir des parents qui les éduquent. Pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, un emploi sûr et une situation financière solide constituent des fondements importants pour la stabilité et l'harmonie au sein du couple. Et trouver les moyens d'entretenir donc une femme, puisque une femme aussi, et une famille pour l'entretenir, il faut donc avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir un travail, il faut avoir donc des sous, il faut avoir donc les moyens donc d'entretenir donc une famille pour que la famille donc puisse être régulée. Fortifier les mariages, c'est autour de cette thématique que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a tenu sa 6e conférence internationale. Du nouveau à Ebimpe, le village qui héberge le plus grand stade de Côte d'Ivoire, s'apprête à accueillir également le plus important marché de gros de la sous-région ouest africaine sur un site de plus de 100 hectares et évalué à plus de 30 milliards de francs CFA. Achevé, l'étude de faisabilité a été présentée aux acteurs vendredi 28 juin à Abidjan lors d'un atelier. Aujourd'hui, cette rencontre, c'est d'appeler tous les acteurs de la chaîne des valeurs qui vont gérer ces marchés-là, à l'effet de recueillir leurs inputs, leurs observations, leurs contributions pour permettre ces marchés qui vont être construits de mieux fonctionner et de permettre une meilleure distribution des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Nous avons des prévisions que nous estimons
autour de plus de 30 milliards de francs CFA. Depuis les infrastructures, les équipements. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous entendons par marché de gros d'Abidjan? Un marché de gros qui devra tenir compte de l'existant d'un ensemble de facteurs qui devraient pouvoir conduire à son succès. Suite à une trentaine de kilomètres du centre d'Abidjan, le marché de gros des Bimpé qui se rêve en future ville nouvelle sera doté d'une aire de commercialisation, de services financiers et sociaux répondant aux besoins des acteurs qui ont exprimé leurs attentes au cours de cet atelier. Notre inquiétude est que le marché soit géré par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs qui constituent les différents marchés pour que ce projet puisse être mené à bien. J'avais des appréhensions concernant la construction de ce marché-là. Mais avec ce qui a été dit au niveau de l'atelier, nous les acteurs, nous ne serons pas mis en marge. Inscrit dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur, la construction des marchés de gros à Abidjan, à Daloa et à Abengourou s'inspire du modèle marocain, leader africain en la matière. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire compte enregistrer 12 marchés de gros, y compris celui de Boaké, selon le gouvernement ivoirien. Un colloque international pluridisciplinaire sur l'intelligence artificielle se tiendra à San Pedro du 6 au 9 mai 2025 à l'Université Polytechnique. Cet événement, initié par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, en collaboration avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES, vise à rassembler divers acteurs pour réfléchir au développement harmonieux, durable et inclusif de l'Afrique grâce à l'intelligence artificielle. Je rappelle que l'intelligence artificielle est une technologie structurante, est une technologie transversale qui finalement décidera de la hiérarchie des nations au XXIe siècle. Donc, il est important pour notre pays donc, de maîtriser cette technologie, donc de renforcer les capacités locales donc, par rapport à cette technologie et surtout donc, d'investir massivement pour permettre à l'économie ivoirienne, à la société ivoirienne d'être en phase avec les évolutions de cette technologie qui impactera, comme je l'ai dit, l'avenir de notre pays. Nous sommes le site qui accueillons le colloque, dont nous allons mettre les locaux à disposition. Nous allons mettre les infrastructures techniques à disposition, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nos enseignants vont soumettre des résumés, à la fois pour des posters et des contributions orales. Nos enseignants vont participer au comité d'organisation. Les organisateurs exhortent à une forte mobilisation à ce colloque. Pour rappel, l'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.